Ebuka. 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 Ebuka, où étais-tu? Je t'ai cherché, mais tu n'étais pas là. Pourquoi es-tu triste? Dis-moi. Les éléments d'Igo m'avaient enlevé hier. Il m'a dit de m'éloigner de toi si je voulais vivre. Quoi? Alors, je suis confus. C'est ton maître méchant, hein? Je te dis. Il n'est pas bien. Crois-moi, il ne va rien nous faire. Il ne pourra pas nous faire quelque chose. Tioma. Hein? Quel genre de confiance as-tu? Il est question de notre ego. Il ne pourra rien nous faire. Je t'aime, Ebuka. Bien sûr, je t'aime aussi. Et personne ne peut nous séparer, ok? D'accord, chérie. J'étais tellement inquiet. Même Igu ne peut pas rompre notre personne. Relation. Personne. Ok? Je t'aime à la folie. Je t'aime aussi. Joseph, j'ai besoin de ton aide. Igwe veut tuer ma mère, s'il te plaît, aide-moi, je t'en prie. Hé, où est-elle? Va au village Mbako, demande un abaliste femme qui est là-bas. On va t'indiquer chez elle. Hein? Ok, mon frère, allons-y. Mais où est-ce qu'on allons-y, allons-y. Viens avec moi. Salut, maman. Qui êtes-vous? Nous sommes ici pour l'emmener avec nous. Sa fille nous a demandé de l'emmener d'ici. Écoutez, madame, cet endroit n'est pas du tout sécurisé. C'est dangereux qu'elle soit ici. On doit l'emmener d'ici. Vous n'allez pas la reprendre. Est-ce que je ne vous connais pas? Elle a été amenée ici par sa sœur. Madame, arrêtez-moi un peu avec ces sornettes parce que moi je commence à l'avoir marre. C'est quoi? Et pourtant c'est très simple à comprendre. Madame, sa vie est en danger. Et au moment où je vous parle là, il y a des gens qui se dirigent vers ici pour la tuer. Nous devons l'amener tout de suite. Et même vous parce que vous êtes en danger aussi. Non, je ne vais aller nulle part. Je n'irai nulle part. Mon frère, allons. On vous parle sérieusement. Je ne vous comprends pas. Aide-moi à la soulever. Venez, hein, venez. Il y a de sérieux problèmes. Laissez-la, non. Je dis il y a de sérieux problèmes. Laissez-la, elle est amenée. Vous ne nous connaissez pas. Parce que je ne vous connais pas. Vous hein? devez. Qu'est-ce que vous faites? Allez, emporte-la. Ah, où est-ce que vous allez avec elle? Mais, madame, mais je ne vous connais pas. Vous êtes même... Vous êtes votre vie est en danger aussi. Qu'est-ce que je dirai à sa sœur? Allons-y. Ah, Timo, mais c'est compliqué. Oh, mon Dieu, mais c'est quoi cette histoire? Bonsoir, madame. Bon après-midi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous cherchons Ezine, la femme que tu es en train de traiter. Elle n'est plus avec moi. Les gens sont venus la prendre ici. Quelques hommes l'ont appelée. Tu n'es pas sérieuse. Elle est où? Elle n'est pas où ici. Où est-elle? Elle n'est pas ici. Vas-y, vérifie l'intérieur. Tu nous diras là où elle est. Je ne sais pas. Il n'y a personne ici. Je ne sais rien. D'accord, va là-bas.
rien vu. Igwe, qu'est-ce qui retarde Scorpion et son équipe? Igwe, Scorpion, comment est-ce que ça s'est passé? Igwe, nous ne l'avons pas vu. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous ne l'avez pas vu? Igwe, nous étions allés chez la femme qui l'a traité. Nous avons fouillé partout, mais nous ne l'avons pas vu. Quand nous avons mis la pression sur la femme, elle a dit que sa famille était venue l'emmener. Hein? Alors nous avons décidé de tuer la femme. Ça va. Il aurait emmené la femme quelque part loin de nous. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a rien qui soit caché sous le soleil. Nous devons la chercher. Nous devons trouver là où elle est. Ouais, Igwe. Oh non, qu'est-ce que tu penses? Igwe, tu as raison. Scorpion, où qu'elle soit, vous devez la repêcher. Igwe, il y a du feu sur la montagne. Tu as raison. Aguano kanakrikao. Tu as raison, Ono. Tu as raison. On doit vite agir. Meganondachi. Mbochuaga. Kakongodiam. Ichie Maduka. Ouais. Ouais, Ichie Nduma. Je l'ai informé, mais je ne le vois pas. Hein? Igwe, que se passe-t-il? Je vous ai invité pour vous dire et vous informer de la mauvaise situation dans notre communauté. Ezine, la femme de mon frère, est morte. Hein? Hein? Mais son corps est introuvable. Hey! Comment est-il possible? Quelqu'un est mort et son cadavre a disparu? Manuka, la question que tu viens de poser est la même question que je me pose moi aussi. Et je n'ai pas eu la réponse à la question. Hey! Cette innocente femme. Ceci est une abomination. Oh, Aaron, nos bodagnes. Qu'allons-nous faire maintenant, Igwe? J'ai envoyé quelques éléments pour chercher son cadavre. Et en même temps, j'ai aussi informé la police. Je ferai de mon mieux pour gérer la situation et vous tenir informé. Ça c'est bien. Ok. Igwe, je sais ce que tu peux faire. Oui. Ça, on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Clair. Ça va. Ça va, je promets que je ferai de mon mieux. Salut votre majesté. Gloria, j'ai envoyé ta pluie hier nuit, mais pourquoi tu ne t'es pas venue? J'étais malade votre majesté. Ah, tu étais malade? Oui votre majesté. Oh, je suis très désolé. As-tu pris quelques médicaments? Oui votre majesté. Écoute. Tu viens dans ma chambre maintenant afin qu'on puisse le faire. Est-ce que c'est clair? D'accord, votre majesté. Je le fais. Donc, tu viens maintenant? Je viendrai, votre majesté. C'est bien. Pourquoi Gloria se prend pour une reine dans ses palais pendant qu'elle n'est qu'une servante ordinaire comme nous? Donc tu penses qu'elle peut être comme nous? Comment peux-tu croire à une fille qui couche avec le roi? C'est pas vrai. Je suis sérieuse. Oh. Comment peut-elle être légère? Dieu seul sait de quoi vous êtes en train de parler. Les oiseaux de même plumage. Vous ne pouvez pas trouver mieux à faire, sorcière. Peux-tu imaginer? Elle est disgraciée pour avoir couché avec un vieil homme. Je crois que ça ne me concerne pas. Alors, allons-y. Hey, tu veux mourir? Reviens ici. Hey, stop. Allez, entre là-dedans. Arrête de bouger. Arrête. Tais-toi. Tais-toi, je dis, espèce de fou. Malade. Écoute, mon gars.
Tous ceux-là que j'ai eu à kidnapper avant toi étaient bien plus courageux que toi. Tu pleures beaucoup, hein? Libérez mon nom, qu'est-ce que j'ai fait? Igwe, votre majesté. Merci. Ebuka, votre majesté, je t'ai demandé de t'éloigner de cette fille Choma. Igwe, que se passe-t-il ici? Usaoji. Oui? C'est le garçon amoureux, Ebuka. Tu veux dire que c'est lui qui pêche dans la mer profonde? C'est exactement ce que j'ai vu. Pauvreté. Comme je le disais, je t'ai dit de t'éloigner de Choma. Mais tu as simplement choisi de me désobéir et continuer à la romancer. Igwe, j'aime tellement Choma. Je l'aime beaucoup. Je ne peux pas m'éloigner d'elle. Je ne peux pas. Tu aimes Choma. Et tu as désobéi à mon instruction. Je vois que tu es vraiment un fou. Ouais, tu es un fou. Pas de problème, continue à l'aimer. Ne va nulle part. Mais je te donne le dernier avertissement. La prochaine fois que je te vois encore autour d'elle, je t'apprendrai la leçon de ta vie. Igwe, je ne peux pas laisser Choma. Je ne peux pas et je ne vais pas la laisser. Et toi, ferme-la, idiot. J'aime tellement Choma. Tu aimes tellement Choma. Ok, c'est mieux que tu continues ton amour avec elle dans l'au-delà. J'aime... Non. Dites à votre roi que je ne viendrai pas avec vous. Quoi? Tu dis que tu n'iras pas voir notre roi? Non, laissez-moi. Viens ici. Ouvre le portail! Laissez-moi! Vite! Hé mec, ouvre le portail! Tu vas le regretter, hein, ça! Laissez-moi! Ouvre le portail, mec, pas de temps à perdre! Tranquille! Laissez-moi partir! Avance! Tu cherches vraiment des problèmes, hein, toi! Avance! Allez, avance, vite! Laissez-moi! Avance si tu ne veux pas avoir des problèmes plus que tu en as déjà! Avance! Avance! Laissez-moi! Avance! Avance! Vite, avance! Laissez-moi! Allez, avance, vite, vite. Avance, allez, descends là. Votre majesté. Votre majesté. Qu'est-ce que tu fais? Arrête d'essayer de lutter. Je ne vais pas te faire de mal. Ok? Igwe. Je ne peux pas t'épouser et je ne peux jamais t'épouser. Laisse-moi tranquille. Donc, tu n'as pas encore décidé? J'ai déjà décidé et la réponse est non. Je ne peux pas t'épouser. Scorpion, votre majesté, tu sais ce qu'il faut faire. Hé, hey, toi! Non. Allez, lève-toi! Par ici! Lève-toi vite, ton avant! Lève-toi! Lève-toi! Dépêche! Allez! Laissez-moi, vite. Je refuse! Regarde-toi! Hey, Froggy! Kawamaga Zaba Jeremiah, ni Jegari. Okama Nam Zabara Abraham, Kobiram Nam Kenke. Cheko Biragen Kenke. Stupide! Votre majesté. Ouais, qu'y a-t-il? Igwe, qu'y a-t-il? Mon roi, nous étions à la ferme. Aujourd'hui, deux hommes nous ont attaqués. Ils sont même venus avec des hommes dangereux. Ils nous ont chassés, nous deux, de la ferme. Et ils nous ont demandé de ne plus jamais revenir là-bas. Comment dites-vous ça? Comment dites-vous que deux hommes, deux garçons, petits garçons, on peut vous chasser, vous deux, du terrain. Votre majesté, ils nous ont pris par surprise. Oui, mon roi.
Allez m'appeler Scorpion, immédiatement. D'accord, votre majesté. N'importe quoi. Igwe. Votre majesté. Scorpion. Igwe. Jasper. Igwe. Dragon. Igwe. Vous irez, vous trois, à Oba, tout de suite. Allez dans la maison de Joseph, à Oba, et tuez tout être vivant là-bas. C'est clair? Fais-le vite. Bougez immédiatement. Où est ton fils? Calme-toi, ressaisis-toi. Vas-y doucement. Tu dois être fort. Tu dois être fort pour tes sœurs, ton père et pour moi. Ok? S'il te plaît, sois un homme. Je sais comment c'est pénible de perdre une mère. Je l'ai expérimenté moi aussi, il y a 3 ans passés. Tu connais l'histoire. Remonte ta morale, s'il te plaît. Sois fort. Je partage ta peine. On est ensemble. Chérie. Ça va. Oko titi na pum poromini. Je suis le roi Nkoumé, le puissant roi qui décide de faire ce qu'il veut. Allez, allonge-toi. Comment, ma belle fille, es-tu maintenant prête à m'épouser? Ou bien tu veux que je fasse usage de force? Je ne vais pas épouser une autre personne excepté Ebuka. Mais Ebuka est parti. Il est parti. Il n'est plus. Qu'est-ce que tu as fait à mon Ebuka, toi méchant homme? Espèce de méchant. Qu'est-ce que tu lui as fait? Ou tu l'as tué? L'as-tu tué comme tu l'as fait à ton frère et sa fille? Tu crois que je ne le sais pas? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu crois que je ne le sais pas? Réponds-moi! Je dis, réponds-moi maintenant! Qui t'a dit ça? Enlevez ses corps.
Grand frère, on veut te parler. Pas en ce moment. J'ai beaucoup qui se passe ici et je dois décharger un peu ma tête, s'il vous plaît. Grand frère, c'est très important. Tu dois nous écouter. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, non parler? Qu'est-ce que c'est? Grand frère, depuis que ton fantôme est venu à la maison, tout a changé dans notre vie. On a perdu notre mère juste à cause. Oui, allez, tu la fermes. Allez, dégagez. Regardez-moi ça. Je pensais que tu as quelque chose de raisonnable à dire. Dégage! Attends, ne reviens plus ici, hein. De n'importe quoi. Kiro, ma sœur. Je ne comprends plus rien de tout ce qui se passe dans ce palais. Moi aussi, yo. C'est tous les jours que Igwe tue les gens dans ce palais. Il tue les gens comme des poules. Je ne comprends plus rien. Je ne sais pas pourquoi. Cette façon-là de tuer les gens tous les jours, ça m'étonne aussi, yo. Aujourd'hui, il tue quelqu'un. Demain encore. Le commérage ne vous fatigue donc pas? Uju, la princesse a besoin de toi dans sa chambre. Bon, à plus tard, hein. D'accord, c'est bon. D'accord. Bye. Faut pas sortir du contexte, hein. Qui est sorti du contexte? Personne n'est sorti du contexte. Personne n'est sorti du contexte. Eh bien, viens. Ces mots nécessiteraient de nous étonner. Qu'est-ce qu'il y a? Sais-tu qu'il y a une rumeur qui circule que le roi a une main mise dans la mort de son frère? Contrôle ta langue, hein. Contrôle ta langue. Écoute, je ne peux jamais être d'accord avec ça. Notre Igwe dépasse ce genre de bêtises. Hein? Où est-ce que tu as pris ce genre de rumeur? Écoute, Igwe ne peut pas faire une chose pareille. Et tu es en train de douter? La rumeur circule de plus en plus dans cette communauté. Et moi, je dis que le Igwe y est impliqué. Ichiokeke, notre Igwe dépasse ce genre de bêtises. Je ne peux pas être d'accord avec toi. Mets ça dans ta tête que je ne suis pas d'accord avec toi. À mon propre point de vue et à ce que je pense, le Igwe est impliqué dans la mort du chief Okafo et même celle de sa fille. Ichiokeke, mets ça quelque part dans ta tête que cette journée n'a jamais existé entre toi et moi. On n'a jamais eu une telle discussion. Tu m'as compris? Je ne sais pas d'où tu sors cette histoire. Bien. Ah. Attends, non, mais attends-moi. Tu veux me causer de problème? Igwe. Oh non. Il y a une rumeur qui circule dans ce royaume que tu es responsable de la mort de ton frère Okafo et de sa fille. Qui est-ce qui dit une telle chose de moi? Qui est-ce qui défie le roi? Igwe, je ne connais pas exactement les gens derrière cette rumeur. Mais je sais que certains des aînés sont ces gens qui répandent cette nouvelle de chantage contre toi. Oui, certains des aînés. Attends. Les anciens. Oui, bien sûr, oui. Igwe. Tu veux dire que c'est les anciens qui disent ça? Oh non! Donc les anciens ont le culot de dire une telle chose contre le roi, Igwe Nkoumé. Moi, Igwe Nkoumé, mes anciens circulent ces fausses nouvelles. Vraiment? Oh non! Va leur dire que le roi, Igwe Nkoumé, ne tolère pas les bêtises. Quand il décide quelque chose, il l'exécute. Je suis le roi. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a personne dans ce monde qui défie Igwe Nkoumé. Igwe Nkoumé, l'indestructible. Mon pouvoir est connu partout. Je t'ai entendu. N'importe quoi. Mais il est Uju, non? Jeune homme, je veux que tu ailles m'acheter quelques cigarettes, mais ce n'est pas ça le problème maintenant. Tu sais quoi? Attendons Chief d'abord. Bien que nous l'attendions, ça fait 30 minutes déjà. Mais jusque-là, Chief n'est pas encore là, hein? Il n'est pas encore venu. Es-tu vraiment sûr qu'il va nous apporter notre argent? Je travaille avec Chief, ça fait 6 ans déjà. Écoute, si Chief nous déçoit, je lui ferai savoir que Tom et Jerry, c'est un dessin animé pour les enfants, même pour les adultes, c'est autre chose. Kodo. Chief. Je suis venu avec une autre proposition. Je suis désolé à propos de la dernière fois. Mais cette fois-ci, je vais vous payer 100 pour...
Je vous ai appelé ici parce que j'ai appris que quelques-uns disent que moi, le roi, j'ai tué mon frère Okafo et sa fille. Et je veux savoir qui est en train de faire circuler cette mauvaise nouvelle. J'attends votre réponse. Inodadogui, répondez à la question posée. Qui dit cela? Ou bien vous n'avez pas entendu la question posée? Parlez et dites-nous le commérage que vous faites parmi vous. Oui, dites ça maintenant. Maintenant, écoutez, je vous donne 2 jours de marché. Je répète, 2 jours de marché de venir et me dire celui qui est en train de faire circuler cette mauvaise nouvelle que j'ai tué mon frère Okafor et sa fille. Est-ce que je me suis fait comprendre? Igwe, je pense que 2 semaines sont trop longues. Réduis ça à 1 semaine. 2 jours de marché. 2 jours de marché. Mais non. 2 jours de marché. Nda série. Y a-t-il quelqu'un ici? Oui. Un instant. Merci, okay. Wada. Bonjour. Bonjour, ma fille. Où est ton père alors? Il est dans la maison. Aide-moi à l'appeler. D'accord, Nayo Keke. Papa? 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 Abakunikon. Ok, ok. Oh, mon cher frère. Ah oui. Nda. Akaminiko, yako. Je te salue, Ike Manduka. Ok, ok. Je suis là. Je pensais que tu es déjà parti. Je me suis souvenu de quelque chose. Je devais rentrer. S'il te plaît, il s'agit de ça. Tu sais que tu es mon bon ami. Il y a de cela très longtemps. Je suis venu te dire, s'il te plaît, par rapport à ce que je t'avais dit la fois passée, ne dis pas au Igwe que j'avais dit ça. Tu sais comment notre Igwe se comporte. Il prend les choses très au sérieux et je ne veux pas mourir. Si tu lui dis, cela veut dire que je suis mort, s'il te plaît. Ne lui dis pas. C'est ce qui te dérange? Je ne veux pas dire ça, Igwe. Mais tu te rappelles, je t'ai averti ce jour de fermer ta bouche. Mais tu ne m'as pas entendu. Je sais. Tu sais, j'ai juste dit ce que j'ai appris au... Tu comprends? Mais notre Igwe ne va pas comprendre. Écoute, mon frère, tu vois, j'ai toute une famille dont je dois m'occuper. Et si je meurs, je ne peux pas les abandonner maintenant parce qu'il n'y a personne pour les aider. S'il te plaît, c'est pourquoi je te supplie, ne ça lui va. Dis pas ça. En tout cas, Itio Keke, je ne vais pas dire ça, Igwe. Tu te rappelles, ce jour, j'ai dit qu'on n'a pas discuté de ce sujet. Alors, comment attends-tu de moi de dire ce qu'on n'a pas discuté? Je ne vais merci, pas lui dire. Merci, mon bon ami. C'est pourquoi je t'aime. Merci. Laisse-moi m'en aller maintenant, ok? Sinon, si merci c'est à cause beaucoup, de ça, va te bon reposer. Cher, ne t'inquiète merci même beaucoup. Pas. Oh, mon ami, oh. Papa, depuis le matin, tu refuses de manger. Qu'est-ce qui te dérange? Tu sais que c'est pas bien pour ta santé. Je vais bien, ma princesse. Je vais bien. Papa, est-ce à cause du rumeur que circule partout dans le village? C'est pour ça que tu es dans cet état? Je sais, papa, que tu ne peux pas faire ce genre de choses. Merci de croire ton père le roi. Tout ira bien. Et je suis fier de toi. Ok, papa. Fais-moi plaisir. Mange. Et arrête s'il te plaît de trop penser. Peux-tu le faire?
je mangerai. D'accord, le repas est déjà servi, on peut y aller? Allons-y, ma princesse. Mes anciens. Igwe. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Igwe. Où allons-nous nous asseoir tous? Pas de chaise. Igwe. Tu sais très bien que dans cette communauté, c'est inapproprié pour des hommes de titre comme nous de s'asseoir par terre. C'est inapproprié. Peux-tu fermer ta bouche? Qu'est-ce qui est inapproprié là? As-tu perdu la tête? Comment peux-tu mettre en question l'ordre de Igwe? Hein? Vous devez vous asseoir par terre, sinon... Scorpion, votre majesté, fais-les s'asseoir par terre. Par terre! Scorpion! Garde, au travail! S'asseoir. Pouvez-vous imaginer? Hey, hey. Des gens qui n'ont pas de sens. Hey, hey. Hey. Êtes-vous maintenant prêt à me dire celui qui est en train de faire circuler les rumeurs que c'est moi qui ai tué mon frère Okafo et sa fille? Je suis en train de perdre ma patience. Si vous ne voulez pas me dire celui qui est en train de faire circuler cette mauvaise nouvelle à toute la communauté, je vous tuerai et boirai votre sang. Et personne n'a la témérité de questionner mes actions. Igwe Mboube, Igwe Mboube, Igwe Mboube. Êtes-vous prêt à parler ou pas? Vous allez rester en prison puisque vous avez refusé de dire la vérité. Vous allez demeurer en prison et je commencerai à vous tuer un après l'autre. Ouais. Scorpion, votre majesté, emmenez-les. Occupez-vous d'eux. Secouez-les. Allez, tout le monde debout. Allez, vite. On sort, vite. Par là, vite. Emmenez-les. On avance, vite. Wow. Je suis Gwenkoumé. Personne ne joue avec moi et demeure libre. Je suis Gwenkoumé. Je décide du sort de tous mes sujets. Igwenkoumé. Ouais. Igwenkoumé. Personne ne me défie et demeure libre. N'importe quoi. Si ce n'est pas eux, d'où sort cette rumeur qui se propage dans la communauté? Je suis Gwenkoumé. Personne ne joue avec moi. Personne et demeure ne peut oser ça. Est-ce que je me suis fait comprendre? Je suis d'accord. Vieux fou que vous êtes, êtes-vous maintenant prêt à parler? Êtes-vous prêt à parler maintenant? Qui parmi vous est en train de faire circuler les rumeurs contre notre Igwe? Parlez! S'il vous plaît, je ne sais rien. Je jure, je ne sais rien. Oh. Oui, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Je ne sais rien, je jure. Je le jure. Tu le sauras. Striker! Dragon! Montrez-le à quel point nous sommes sérieux. Au compte de 3. 1. 2. Hey, attendez. Ah, êtes-vous maintenant prêt à parler? Êtes-vous prêt à parler maintenant? Ok, Bologo. Hein? Onya. Hey, désolé. Hey, non, c'est lui. C'est lui. Oh, donc c'est toi. Gare, emmenez-les. Hey! Levez-vous. Allez! Debout! Vite, par là. Hey.
après-midi. Qui es-tu? Je suis Neka. Je cherche mon père. Et c'est qui ton père? Mazin Douké. Mazin Douké? Mazin Douké n'est pas ici? Es-tu sûr? Je t'ai dit qu'il n'est pas là et tu me demandes si je suis sûr. Mais il m'avait dit qu'il venait au palais, non? Je viens de te dire qu'il n'est pas là. Tu dois rentrer. Juste, va-t'en. Dégage, vite! Dégage. Pars, non? Oh. Par terre! Allez, assieds-toi, imbécile. Igwe. Est-ce qu'ils ont finalement parlé? Ouais, Igwe. C'était Ichioke qui partageait la nouvelle aux autres. Ah! N'importe quoi. Anamebe ko fuma. Inemofu, motiti gamaka. Chere gaiba Igwe nkume. Définitivement comme celui-ci, la même punition. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, votre majesté. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, votre majesté. N'importe quoi. Scorpion. Ichi. Nettoie les dégâts. Quittez ici. Vite! C'est moi contre un bal comme ça. Ichi et Madoka. On verra bien. Papa? Papa? D'où est-ce que tu viens? On t'a cherché depuis hier. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, papa? Noma. Papa? Noma. Il y a du feu sur la montagne. Noma. Pourrais-tu imaginer que Igwe a enfermé tous les membres de son cabinet dans sa cellule, y compris moi, Madoka. Pourquoi, papa? Qu'est-ce que vous avez fait? Noma, en quoi c'est qu'à Nansero? Juste un petit commérage. Du fait que Igwe a tué son frère et sa fille. C'est fini. Igwe a dit que c'est tous les membres du cabinet qui ont répandu cette information. En fait, c'était au Keke. Noma, sais-tu que Igwe a abattu Ichi Okeke, en direct devant moi, Zizinano Debe. Papa, tu veux dire que le roi a tué Ichi Okeke? Il est mort en ce moment. Pourquoi, papa? Mais qu'est-ce que c'est cette innocence? Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas du tout ce que je t'ai dit? Pourquoi il l'a tué? Tu la fermes. Ta bouche là va te tuer. Vas-y. Allez, rentre à la maison. Vas-y. Je ne veux plus t'attendre parler. Tu as écouté? Ne viens plus me créer de problèmes ici. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas, non? Hein? Tu sais, Igwe me surveille toujours. Igwe? C'est lui qui fait que tu ne puisses pas venir me voir? Oh, désolé, mais tu as perdu du poids. Regarde-moi, non? Hein? Tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as aussi manqué. Tu m'as tellement manqué. Gloria, donc c'est tout ce que tu es en train de faire dans ce palais?
Nous n'en avons toujours un pour les voleurs, un jour pour les propriétaires. Et laisse-moi. Igwe doit apprendre ça. Je le dirai à Igwe. Igwe! Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, monsieur. Tais-toi là-bas! Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Et toi, est-ce que tu peux parler? Toi, parle! Je les ai vus. Je les ai vus en train de te toucher. Et s'embrasser. Et s'embrasser. Voilà. Donc, vous voulez faire c'est ça? C'est pas vrai. Ce n'est pas ça. Vrai, debout. Allez, si. Debout. Hey. Debout! Et toi, debout! Allez, dépêchez-vous. Bougez! Amène-les! Allez, là-bas! Amène-les, bouge-les! Allez, on avance, on avance! Avance là-bas! Hey! À genoux, vite! Votre Majesté. Qu'est-ce qui se passe ici? Igwe, j'ai vu ces deux gars. J'ai vu cette stupide fille et ce stupide garçon. Hein? Se caressant, s'embrassant, câlinant l'un l'autre derrière la maison. Igwe, pardon. Pardon, Igwe. Tu veux manger la même nourriture que je mange? Bah non, non. Ben non, pas ça, Igwe. Tu veux mettre la cuillère dans le même plat où je mets la... Pour tout ce que je t'ai causé. S'il te plaît. Tu as raison. Tu m'as causé assez. Comment se fait-il que tu n'aies jamais su tout ceci avant qu'il ne se passe? Ah, Joseph, je ne suis pas capable de tout voir. Je ne suis pas Dieu. Je ne veux plus de ton combat avec mon oncle. Je ne veux plus, il risque de tout prendre. Je ne veux pas que quelque chose de mal t'arrive, s'il te plaît. Ceci ne te concerne plus. Ce n'est plus ton combat. Joseph. Igwe Mpume a tué ma mère. Il a tué ma sœur. Ceci est ma guerre. Non, s'il te plaît. Je ne savais pas que mon oncle était très méchant. Je t'en prie, pardon. Je te supplie. Ne va pas loin avec cette guerre. S'il te plaît, laisse-le comme ça. Je t'en prie.
Joseph. Ce combat est le mien. Joseph. Joseph. Joseph, s'il te plaît. Ah, qu'est-ce que je veux faire? Joseph. Ne fais pas ça. Kamso, tu n'as plus le droit de me dire quoi faire ou quoi ne pas faire. S'il te plaît, je t'en prie, rentre chez toi. Se trouve. D'accord, allons-y. Amène-moi là, vite, d'accord. Jeune homme, qui es-tu et qui t'a demandé de venir ici? Mboubé, tu es un homme méchant. Tu es un homme méchant. Maître, tu as tué ma mère et ma soeur. Après avoir tué ton frère et sa fille. À quel point tu es désagréable en tant qu'homme. Maintenant, tu te pointes devant moi et parle avec autorité. Honte à toi. Tu sais quoi? Je n'ai pas peur de tes gardes. Tu sais quoi? Justice. C'est ce qui se pointe devant toi en ce moment. Je suis la justice. Et je suis ici. Tu m'as entendu? Tu me tuais? Tue-moi! Tue-moi! Comme comment tu as tué les autres. Toi, c'est un méchant. Tu n'es qu'un meurtrier. Emmenez-le. Je penserai à ce qu'il faut le faire après. Idiot. Attends, qu'est-ce que... Imbécile. Tais-toi. Emmène-le. Emmène-le. Je ne comprends pas. Papa, bon après-midi. Ne m'appelle pas, papa. Ne m'appelle pas ainsi. Comment peux-tu être à la maison? Ton frère est sorti ce matin et tu ne sais pas où il est parti. Sais-tu quand j'ai quitté cette maison? Depuis 6 heures, pour voir Mathieu. Papa, je ne sais pas où il est parti, je ne sais pas. Où étais-tu quand il est sorti? Je suis dans la maison. Viens, maison. Tu étais à la maison et tu ne sais pas où il est parti. Hein? Papa, pourquoi tu es comme ça? Tu le connais très bien que grand frère Joseph est très méchant. Il risque même de me taper. Regarde, écoute, je viens de perdre ma fille. Je viens de papa, perdre ma fille. Je suis encore. S'il vous plaît, je suis dans le trouble. Je n'arrive pas. Il est dans les palais de Igloo Mumbai. Comment je dois reprendre la même chose que j'ai établi comme règle ici? Salut. Est-ce que personne vous m'entendez? Je dois quitter cette maison sans que je ne sache où il part. S'il vous plaît, papa. Joseph est là-bas. Il est dans le trouble. Il est compliqué. Faites quelque chose, papa. Tu le connais bien. Il va me dire qu'il est si grand pour prendre soin de lui-même. Tu ne sais pas ce qui se passe, hein? Tu ne sais pas ce qui se passe. C'est pourquoi tu racontes des bêtises. Mon fils est sorti ce matin et je ne sais même pas où il est parti. Et toi là, à la maison, tu ne sais que manger. Tu ne réfléchis pas, hein? Rien ne t'intéresse. Juste manger et dormir. Et aller chercher ton petit ami ritualiste. Ah papa, je n'ai pas un homme comme ça. Ah papa, ferme-la. Écoute-moi. Reste là. Ne sors pas d'ici. Tu m'entends? M'as-tu entendu? Si tu veux, quand je reviendrai. Ne me dis pas que oh, des gens sont venus, ils t'ont porté et ça et là, tu ne sais pas. Non, je reviens. Papa, que je viens avec toi. Je m'en vais. Ferme-la. Tu veux venir avec moi n'importe quoi. C'est quoi ça? C'était ma faute. Pourquoi tu aimes tout simplement mettre sur ma tête? Ta visite me fait énormément plaisir. Pas sérieuse. Je viendrai manger chez vous demain. Je suis sérieuse. Gossi. Okay, c'est bon. Gossi. Ça ira. Oui.
Viviane, comment? Ngozi! Noma! Je t'avais interdit de venir au palais, mais tu ne voulais pas m'écouter. Tu vois ce que tu t'es causé toi-même maintenant? Maintenant, Igwe peut te tuer à n'importe quel moment. Qui peut nous aider maintenant? Qui peut m'écouter? Igwe. Jeune homme, qui t'a dit que j'ai tué mon frère et sa fille? Où est-ce que tu as eu les rumeurs? Tu sais, des hommes méchants comme toi pensent qu'ils peuvent perpétrer le mal et couvrir leur méchanceté. Tu sais, tu n'es pas aussi intelligent. Dans ce cas, tu es trop malhonnête. Tu es une bête sauvage. C'est ce que tu es. Si je te tue ici, les villageois auront une opportunité de t'enterrer ou de te donner un enterrement digne. J'ordonnerai à mes éléments de t'emmener dans la forêt où ils te tueront. Et les vautours mangeront ton cadavre. Ainsi, il n'y aura plus d'opportunité pour t'enterrer dignement. Garçon. Oui, votre majesté. Scorpion. Igwe, emmenez-le dans la forêt. Occupez-vous de lui. Faites de lui ce que vous connaissez bien. Il n'est pas bon de tuer. Cet animal ici, les gens commenceront à parler. Pouah, n'importe quoi. Animal. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire ce que ton méchant maître a dit? Hein? Est-ce que tu as le cœur? Est-ce que tu as le cœur? Tu n'es rien qu'un filou villageois. Je n'ai pas de choix que de t'emmener dans la brousse, à l'arrière-pays, pour que les vautours mangent ta chair. Bâtard. Allez, on avance. Imbécile. Arrête. C'est quoi ton problème? Laisse-le partir. Non! Es-tu en train de me désobéir? Je dis laisse-les partir! As-tu perdu la tête? Es-tu défoncé? N'étais-tu pas là quand Igo avait dit qu'on devait l'amener à la forêt diabolique et les tuer? Je dis laisse-les partir! Hey, monsieur, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Je suis le seul fils, s'il te plaît. Je suis le seul fils. Cours! Hein? Cours! Que je cours? Ok, ok, monsieur, ok. Dis-moi un peu, pourquoi? Comment as-tu pu faire ça? Dis-moi un peu, t'es malade? Comment as-tu pu aller dans le palais de Igwe Mpume? Dis-moi ça. Un palais que toi et moi savons que c'est une vraie forteresse. Non mec, tu as sûrement dû fumer ces jours-là. Tu es vraiment chanceux que tu sois revenu ici vivant. La vengeance de la mort de ma mère et de ma sœur m'a conduit à y aller. Ah bah non. Igwe Mpume m'a poursuivi avec des armes, avec des machettes. Maintenant, je vais le poursuivre avec des armes
et des machettes aussi. Et je dois venger la mort de ma mère et de ma sœur. Passe sur mon cadavre. Si je ne fais pas ça, tu dois l'accomplir. Donc, s'il te plaît, Obina, je me rappelle de l'histoire que tu m'as racontée. Je me rappelle de toute l'histoire que tu m'as racontée. Comment tu as été dans la rue. Ce que tu as fait. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ces armes. Ces machettes. S'il te plaît, aide-moi. Tu t'entends parler? Comment peux-tu me demander une telle chose, hein? Comment puis-je retourner dans mon passé? Obi, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à avoir ces armes. Tu dois juste me donner un peu de temps, tu vois. Laisse-moi rétablir mes connexions, ok? Merci. S'il te plaît, tu dois m'amener au carrefour afin que je puisse prendre un taxi pour rentrer chez moi. Hey! Là maintenant, il demande à son propre ami de lui trouver des armes à lui fournir. Garde, tu dois écoute, c'est la seule option. C'est une revanche, tu vois. Je dois aller jusqu'au bout. C'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Papa, calme-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va aller, calme-toi. Hein? Bien comment depuis hier? Où ne suis-je pas parti pour le chercher? Papa, hey! Il est un grand monsieur, il peut bien prendre soin de lui-même. Hey! Mon fils unique. Mon fils unique. Papa, il n'y a rien avec lui. Papa, tout ce dont pouvait avoir peur, c'est avec ta petite amie, la de fantôme. Fantôme? S'il te plaît, je n'ai pas d'affaire avec des fantômes. S'il te plaît, ne me parle pas des fantômes ici. Je t'en prie. Où a-t-il pu aller comme ça, hein, mon unique fils? Hein? T'inquiète, il va bien. T'inquiète, papa. Papa, mon fils. Bien, mon fils. Ah, tu viens de... Mon frère Joseph. Où étais-tu? Mais où étais-tu passé? Hein? Ah. Grand frère Joseph, je t'ai cherché partout depuis hier. Papa, c'est quoi le problème? Moi je suis rentré. C'est quoi le problème? Tu vas bien? Mon corps me fait mal. Tu étais où? Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai cherché presque partout depuis hier. J'ai failli faire une chute de tension à cause de toi. Papa, mon fils. Papa, tu confonds Nanya. Aïe papa, Agobande Aotineke, tu Kubanya, Buruzo Kobi. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe. Papa, je suis allé au palais de Igwe Nkoumé pour le confronter pour l'atrocité qu'il nous a fait subir. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai escaladé le mur pour entrer dans la cour. Et de là, je me dirigeais vers son trône. Papa, je ne sais pas ce qui s'est passé. Igwe Nkoumé m'a attrapé. Hey! Il m'a attaché à un arbre. Après tout, il a demandé à ses gars, ses éléments, de m'emmener à la forêt. Hey! Et me tuer là-bas. Oh mon Seigneur! Papa, maintenant ce qui m'a étonné. En route pour la forêt. Je ne savais pas ce qui s'était passé. L'un d'entre eux s'est arrêté. C'était comme il a été envoûté. Il s'est arrêté. Il a regardé l'autre, son collègue. Il a dit, laisse-le partir. Laisse-le partir. Laisse-le partir. J'ai été choqué. Et son second disait, non. Notre roi Nkoumé, notre roi dit qu'on doit l'amener à la forêt et le tuer là-bas. Papa, il dit, laisse-le partir. Je dis, laisse-le partir. Je regardais. Avant que je le sache, ouah! C'était quoi? Pistolet. Il a tiré sur son collègue. Il a tiré sur son collègue. Je ne pourrais pas y croire. Et il a pointé son arme sur moi. J'étais, hey, s'il te plaît, ne me tue pas. Je suis le seul fils. Ne me tue pas, ne me tue pas. Et il crie. Et il dit, va, cours. Papa, Nilembombo, je me suis levé. J'ai couru. Seigneur. Je ne savais pas. C'était comme... Je ne sais pas comment le décrire. C'était comme un miracle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hey! Seigneur, merci. Jésus, merci. Je te remercie pour avoir sauvé mon merci. Fils. Je te remercie, mon Dieu. Oh, Tinekena. Hein? Seigneur, merci. Je n'ai pas mangé depuis hier.
Dieu est grand. Même de l'eau, je n'ai pas pris ça depuis le matin. Dieu est grand. Hey. En tout cas, Dieu merci. Hey, merci. Si vous voyez comment ils m'ont giflé au niveau du coin. Mon fils, mais qu'est-ce que tu étais allé faire là-bas? Ne sais-tu pas combien cet homme est dangereux? Hein? Il dirait même qu'il n'est pas roi. Mon Dieu m'a vraiment sauvé. Pourquoi es-tu parti là-bas? C'est Dieu qui m'a sauvé. Papa? Quelque chose te dérange? Est-ce que tout va bien? Ouais, ma princesse. Je vais bien. Je suis parfaitement OK. Non, papa. Arrête de me dire que tu vas bien, s'il te plaît. C'est comme s'il y a quelque chose qui te dérange et cela fait presque une semaine. Papa, c'est quoi le problème? Viens. Tu es ma princesse. Je suis OK. Ton père va bien. Ne t'inquiète pas parce que je suis parfaitement OK. D'accord, si tu me dis. Tu es la princesse de ce royaume. Oh. La fierté de ton père, le roi. Ezenkpome. Tu peux le dire encore, papa. Tu es l'œil de chaque jeune homme dans cette communauté. Sois libre et rends-moi fier. Uruguayu Mokorobia. Ok, papa, c'est bon. Je suis fier de toi.